Bienvenue, frères et sœurs, chers amis, à chacun d'entre vous. Nous nous retrouvons dans un dimanche particulier puisque nous célébrons la solennité du baptême de Jésus, solennité lors de laquelle nous écouterons l'Évangile qui nous dit « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour ». Nous accueillons particulièrement ceux qui nous rejoignent peut-être pour la première fois et selon la tradition de la paroisse, je vous invite à saluer une personne que vous ne connaissez pas et peut-être à échanger une intention de prière que vous partez dans votre cœur pour peut-être cette nouvelle année. Voilà, de nous échanger. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, nous nous préparons à célébrer cette messe du baptême du Seigneur, en reconnaissant humblement notre péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par commission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Thank you.
que l'Esprit Saint reposa sur lui. Tu l'as désigné comme ton fils bien-aimé. Accorde à tes fils adoptifs, nés de l'eau et de l'Esprit, de se garder toujours dans ta sainte volonté. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Je te saisis par la main, je te façonne, je fais de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations. Tu ouvriras les yeux des aveugles, tu feras sortir les captifs de leur prison et de leur cachot ceux qui habitent les ténèbres. Parole du Seigneur. Le Seigneur bénit son peuple, il en a.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit « En vérité, je le comprends, Dieu est impartial. Il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. Telle est la parole qu'il a envoyée aux fils d'Israël en leur annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ, lui qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Parole du Seigneur. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimé, en qui je trouve ma joie.
Frères et sœurs, il me semble qu'aujourd'hui, on pourrait dire que c'est la fête des pères. Certes, il y a une fête officielle un petit peu plus loin dans le temps, mais aujourd'hui, c'est la fête des pères parce que l'Évangile nous ouvre à la paternité de Dieu. Certes, l'acteur, bien sûr, majeur, le personnage, la figure, c'est Jésus. Jésus et Jean-Baptiste. Jésus, nous le voyons dans cet évangile, Jésus qui se laisse baptiser par Jean-Baptiste, nous invitant ainsi, pour les siècles qui ont suivi, à faire de même et à devenir comme Jésus, baptisé, c'est-à-dire introduit dans cette magnifique filiation divine. Le sens profond, évidemment, de cet évangile, c'est cette invitation à être nous-mêmes baptisés. Mais j'aimerais peut-être attirer votre attention sur cette phrase et quelle est la richesse de sens de cette phrase. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je trouve ma joie. C'est bien sûr une phrase qui sera dite mystérieusement à chaque baptême. Lorsque le prêtre, le diacre, baptise, il y a comme de façon mystérieuse cette parole qui est dite au moment où le sacrement se pose, la voix du Père, la voix de notre Père, dira, même si nous ne l'entendons pas, cet enfant qui est baptisé, il devient mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Sécurité incroyable pour celui qui devient baptisé, parce qu'il est uni, non seulement au Fils et à l'Esprit Saint, mais aussi au Père. Phrase riche de sens, car nous entendons, nous voyons, à travers le témoignage de l'évangéliste Matthieu, nous voyons cette relation entre Jésus et son Père. Nous pouvons peut-être nous demander, mais comment Jésus a-t-il pu assumer cette mission d'être le Sauveur? Certes, il était Dieu, mais il était aussi pleinement homme, homme avec peut-être ses angoisses devant telle ou telle douleur ou souffrance qui pouvait l'approcher. Comment cette assurance a-t-elle pu le conduire jusqu'au moment ultime, qui est le moment de la croix? Pour un homme, il faut quand même le faire, quand bien même il est Dieu, se laisser clouer sur une croix, c'est tout de même incroyablement puissant, fort. Cette assurance de Jésus, nous pouvons faire l'hypothèse qu'elle s'enracine dans cette voix du Père, le Père qui lui dit clairement « Tu es mon Fils bien-aimé ». Tous les mots ont leur sens. « Mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour ». Imaginez la puissance de cette parole. Elle est précédée par celui-ci. Vous savez comme il est fort de nommer un enfant, vous qui êtes papa, maman, de pouvoir donner un prénom, mais aussi de pouvoir appeler les personnes qui sont ici par leur prénom. Comme il est bon pour chacun de nous d'être connu, nommé par un prénom et appelé. Nous voyons à travers les récits évangéliques, les récits de l'Ancien Testament, comment chacun, Samuel, Moïse, ont été nommés Samuel, Samuel, et appelés. Cette nomination, cet appel, cet amour a donné sécurité et assurance au prophète. Nous pouvons faire l'hypothèse que cette parole, celui-ci est mon fils bien-aimé, a permis à Jésus d'aller jusqu'au bout de sa mission de sauveur, jusqu'à la croix. Oui, être aimé, être nommé par un Père, nous donne sécurité, assurance. En qui je trouve ma joie, nous voyons comment le Père et Jésus sont mutuels, en mutuelle paternité et filiation. Alors, frères et sœurs, nous voyons bien à travers la vie de Jésus que cet engendrement entre son Père et lui n'a pas été juste une fois au point de départ,
au moment de ce baptême dans le Jourdain, nous voyons comment Jésus sans cesse est revenu à son Père dans des moments de prière. Nous voyons comment Jésus sans cesse quitte la foule, se recueille et va voir son Père. Alors ce passage nous indique cette incroyable réalité de Dieu. Dieu est Père, Dieu est Fils, Dieu est Saint-Esprit. Cette parole, nous pourrions l'écouter un peu à distance en disant oui, en effet, quand je fais mon signe de croix, eh bien je prends cette réalité du Père, Fils et Saint-Esprit. Et cet éclairage sur la paternité et la filiation, cet éclairage, il est aussi pour nous. Et j'aimerais peut-être dire surtout pour ceux ici qui sont pères, qui sont papas. Nous voyons bien l'importance pour un fils, un enfant, de devenir au fur et à mesure fils parce que son père le nomme, l'appelle, l'accompagne et lui dit sans cesse « tu es mon fils bien-aimé ». Lors d'une retraite, cette fois-ci destinée à des pères de famille, le prédicateur avait dit « je vous invite à envoyer un texto à votre épouse pour lui dire « tu es mon épouse bien-aimée ». Donc les papas avaient fait ce texto et un papa avait reçu un retour de son épouse qui lui avait dit « mon chéri, tu devrais faire des retraites plus souvent ». Alors, je vous invite, vous qui êtes papa ici, je vous invite peut-être à faire cet exercice auprès de vos fils et filles, alors soit par la parole, soit par une petite page écrite, une enveloppe, soit par texto, mais à dire cette parole, voilà. Christian, tu es mon fils bien-aimé. Thibaut, tu es mon fils bien-aimé. Camille, Elisabeth, Louise, Héloïse, tu es ma fille bien-aimée. Vous verrez comme cette parole va les secouer, va leur faire du bien. Et puis, frères et sœurs, cette paternité qui est si belle, si pleine de sens, elle est aussi pour les prêtres. Vous voyez, certes, il n'y a qu'un seul Père qui est notre Père au ciel, mais nous qui avons renoncé, vous le savez bien, à une paternité biologique, et renoncer à cette paternité, je peux vous assurer, n'est pas simple, bien nous qui avons renoncé à cette paternité, nous trouvons notre joie, nous trouvons notre équilibre dans la paternité spirituelle. Certes, nous sommes, par le baptême, nous sommes frères et sœurs, et nous avons besoin aussi d'avancer dans un chemin de sainteté, mais nous sommes aussi, par notre ordination, d'abord, nous sommes devenus des fils de notre évêque. Le Concile rappelle que l'évêque est le père et ami de ses prêtres. Et nous devenons aussi pères spirituels, c'est-à-dire que nous avons la joie, même si nous ne sommes pas liés par la biologie, nous avons la joie d'avoir cette mission de faire grandir, de permettre à des hommes et des femmes de devenir de plus en plus des saints, de plus en plus des enfants de Dieu. Avec mon frère Geoffroy qui est prêtre, nous échangeons beaucoup sur le sacrifice de ne pas avoir d'enfants et nous avons la joie d'avoir des neveux et des frères et sœurs que nous aimons beaucoup. Mais nous échangeons aussi beaucoup sur la beauté de cette paternité spirituelle, cette beauté d'être père. Et certes, mon prénom est Thierry, mais quand j'entends « Père Thierry » ou « Mon Père », en fait, cela me fait du bien, parce que cela me ramène à ma vocation profonde d'être aussi père, de faire grandir spirituellement les enfants qui me sont donnés. Voilà, frères et sœurs, nous entendons cette parole qui nous vient de loin, cette parole de l'Évangile. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je trouve ma joie. » Cette parole nous indique ô combien Jésus a pu assumer jusqu'au bout sa mission parce qu'il était aimé d'un Père. Cette parole nous rappelle la profonde
dignité de la paternité, car Dieu s'est fait lui-même Père, profonde dignité et vocation d'être Père. Et cette parole de l'Évangile nous donne un surcroît de sens sur la beauté de la paternité, paternité biologique, paternité spirituelle. Prions pour cette paternité. Et peut-être que parmi vous, il y a eu des paternités blessées, des paternités absentes, car nous sommes dans un monde qui est un monde fragile. Disons que chacun fait comme il peut, le mieux possible, avec ses faiblesses et son péché. Mais voilà, cette paternité n'en est pas moins vraie qu'elle est digne, elle est magnifique, elle est appelée à imiter la paternité de Dieu. Pour tous les catéchumènes qui recevront ce sacrement
lors de la prochaine veillée pascale, ainsi que pour leur accompagnateur. Ô Dieu très aimant, nous te prions.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accepte les offrandes que nous te présentons en ce jour où ton Fils nous est révélé, qu'elles deviennent ainsi le sacrifice de celui qui a enlevé le péché du monde, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe en te rendant
la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, Dieu, le règne et la puissance de la gloire, pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Thank you.
quelques annonces pour cette semaine. Merci à ceux qui ont préparé cette messe. Est-ce qu'on m'entend bien ? Cette semaine, nous avons l'Université de la vie sur la paroisse, organisée par Alliance Vita, un cycle de formation pour s'informer tout sur les questions d'actualité sur la bioéthique. 4 lundis à 20h15 au centre Mère Teresa, donc à partir de demain soir, donc l'Université de la vie. Nous aurons jeudi soir notre deuxième soirée Alpha. Vous avez la joie d'avoir une sorte de salle comble avec 42 invités, mais nous pouvons encore accueillir des personnes qui se questionnent sur la foi chrétienne. Et dimanche prochain, comme chaque année, la marche pour la vie, qui cette année prend un regard particulier puisqu'il y a le projet de loi de la procréation médicale assistée sans père et la GPA. Donc n'hésitez pas, si vous pouvez, venir marcher. Moi-même et le Père Gilbert, nous serons à cette marche avec les quarts de la paroisse. Voilà, n'hésitez pas à vous saisir de la feuille paroissiale et à la relire tranquillement. Ensemble, nous prions. Nourris de cette messe et sûr de ta bonté, Seigneur, nous te prions. Accorde à ceux qui sauront écouter ton Fils unique de mériter le nom de Fils de Dieu et de l'être vraiment, par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen.